Allez, on mange. On laisse en manger. Eux, ils avaient leur médicament à prendre, du coup, ils étaient souvent comme ça. Bon, bah, ils ont fait une pause. Vous avez fait une. La Kaiden qui vient de se réveiller. Vous voyez comment c'est mon jumeau, lui. On se ressemble trop. Coucou. Coucou. J'espère que vous allez bien. Oh, j'ai une tête de fatiguée. Il est 8h52. Kaiden est encore en train de dormir. Jillian s'est réveillée. Excusez-moi, vous entendez du bruit parce que notre appart donne vers la rue et j'ai tout ouvert parce que aujourd'hui il va faire très chaud. Donc on va profiter de l'air frais avant que je ferme les fenêtres. Oui, les fenêtres, pas les volets, les fenêtres. Okay, la nuit s'est très bien passée. Dylan a pleuré la nuit parce qu'il avait mal. Il avait mal aux oreilles. T'avais mal aux oreilles hier? Oui. T'as mal où? Là, voilà. Il y a déjà 2 semaines, on l'avait emmené chez le médecin parce qu'il avait mal aux oreilles. On l'avait emmené, il était sous antibiotiques. Donc il a pris ses antibiotiques. Il a fini ça la semaine dernière, je crois. Il a fini ses antibiotiques, tout allait bien. Et hier, j'étais au salon. Quand je vous ai laissé, j'entends « Maman, aïe !» Je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je cours dans la chambre et tout. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Il a mal. » T'avais mal ? Oui. Et du coup, j'ai donné de l'Iprane. Mais là, ce matin, il se plaint pas, mais il dit qu'il a quand même mal. Donc, si ça continue comme ça, on prend rendez-vous. Ce soir, on y va. Pour voir si ils represcrivent des antibiotiques ou voir si c'est autre chose. Il n'est pas du genre à faire des otites, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Kaiden s'est réveillé vers 2h, 3h du matin. Il s'est rendormi vers 5h. Donc, je suis KO. Parce qu'il est venu, du coup, dans notre chambre. Là, il dort. Il est 8h54, il dort encore. J'essaie de faire moins de bruit comme ça. On va rester un tout petit peu calme pour que je commence à faire des choses dans la journée avant qu'il se réveille. Qu'est-ce qu'on a fait ? Dylan, il est en train de manger son pain en lait. Qui est juste là. Après, je lui donnerai un verre de lait. Il a du mal à manger le matin. Donc, s'il ne veut pas de verre de lait, ça sera une compote. Il ne mange pas le matin. Et Kaiden boit son biberon avec un gâteau. Donc, Dylan, c'est soit pain en lait, soit un gâteau. Donc là, il a ses lunettes. Deuxième paire. Il met tout seul, au fait. Le matin, ça fait une semaine qu'il a les lunettes. On a commencé samedi. Et il kiffe. Tout le matin, il se réveille et il demande ses lunettes. Et donc, on va aller chez l'opticien avant le repas, j'espère. Pour qu'ils puissent réparer l'autre. J'espère qu'ils vont juste réparer. Ils vont pas dire, ouais, revenez dans plusieurs jours et tout. Et que c'est pas cassé, quoi. Parce que c'est vraiment bien tordu et tout. Vous voyez comment c'est mon jumeau, lui. On se ressemble trop. Regardez ses yeux et les miens. On a le même regard. C'est mon jumeau. C'est une dinguerie. Bon, allez, je vais faire à manger. J'ai sorti un peu d'huile. Voilà, j'ai sorti des épices dont j'ai besoin. Ça, c'est les épices du poulet. Ça, c'est l'ail. Des boîtes comme ça, faut vraiment que je retourne à Zeman pour acheter parce que c'est pas cher. Donc, je vais faire une sorte de poulet crème fraîche curry. Ça, c'est un mélange d'épices
J'en ai plein, j'ai des gros sachets que ma belle-mère m'avait ramené du Sri Lanka. C'est un mélange de plein de curry. Rouge, trop bien. Ça, c'est en marinade. Je en fais plusieurs à chaque fois. On a le muscade, le sel. Pour l'oignon, je crois que la moitié, ça suffit. La Kaiden qui vient de se réveiller. T'es fatiguée? J'ai fini tout ce qui est découpe, comme ça j'ai pas à le faire quand il est là, parce que la Kaiden vient de se réveiller, il va demander les bras. J'ai fini de faire la vaisselle. Là du coup j'ai surveillé à manger, je vais mettre un peu la crème fraîche. Et puis je vais lancer le riz et comme ça. On va partir chez l'opticien et quand on revient, on mange. Après, c'est juste à côté en soi. Bon, on a Kaidou qui prend son biberon là-bas. Là, j'ai mis de l'eau, mais regardez vous-même la couleur de l'eau, la beauté de la sauce. Tout on ferme. J'ai lancé la cuisson, j'ai enlevé les éclaboussures, j'ai lancé le riz, il faut laisser dans notre cuiseur parce que celui-là c'est celui de mes beaux-parents. J'arrive pas à enlever les taches par-dessus là, parce que ça faisait un moment qu'ils les avaient et ça on a perdu, bah, bref c'est pas grave. Mais il faut que j'achète parce que j'aime trop celui-là, il cuit trop bien le riz, il faut que je trouve le même. Voilà, j'ai lancé le riz et il est 9h53, je suis trop contente. Là du coup on est tranquille. Hein. La vaisselle c'est fait. Le riz, il est presque prêt. La sauce, c'est bon. Donc on va fermer. C'est cool. Là, il est... C'est cool. Il est 10h27. Et nous, on va chez l'opticien. Je vais aussi acheter du pain. Parce que je pourrai manger à midi avec mes lasagnes. Donc, nous, on est comme ça. Mon petit outfit. J'ai mis une petite robe comme ça. Avec un petit haut. Ça fait Jones. On a Dylan qui est sur sa trottinette et Kaiden dans le vélo. Tu fais dring dring. Oui. Dring dring. Voilà. T'es fâché? Coucou Didi. Didi. Non, tu touches pas toi. Il fait quoi? Il est grand mon fils. Oh là là mon dieu. 4 ans, j'ai l'impression qu'il en a, il en a 5, 6. Il est grand ce petit boubou. Coucou. Attends, avec mes colliers là, mes chaînes, on dirait une rappeuse. Hi. Coucou Kay. Hi. Toujours il sourit Kayden, tout le temps. Même si c'est compliqué, mais il sourit tout le temps mon bébé. Tout le temps il sourit. Bon, ils ont fait une pause. Vous avez fait une pause? On fait une pause? Vous avez trop marché? Là, il
Allez, on mange. On laisse en train de manger. Comme je vous disais, Kayden, il va manger du riz blanc. Et après, je vous donnerai le riz avec la sauce de Jillian. C'est bon. C'est bon? Oui. T'aimes bien? Miam, miam, miam. Je vais prendre de l'eau. Je vais vous ramener vos gourdes d'eau. Là, ils ont leur gourde d'eau. Là, il y a tout de suite parce qu'il fait très chaud. Ça va devenir chaud. Je vais goûter là. C'est super bon. C'est trop bon. Ouais. C'est trop trop bon. Les enfants sont en train de prendre leur goûter et il est 15h42. J'ai toujours pas mangé, je sais pas, j'ai pas très faim en fait. Ils ont mangé 2 paquets de chips, donc chacun un paquet de chips, et là ils sont en train de manger leur compote. Jillian aussi. Didi, tu manges ta compote? Didi, allez! Allez! Jillian, il faut toujours être derrière lui quand il mange, tout le temps, même le goûter, même quelque chose de sucré, de bon. Il faut être derrière lui, à part pour ses ice cream et pops. Pour les autres trucs, pour les autres choses, t'es obligée au fait. Là, je suis contente parce qu'il est 15h42. J'ai fini de monter ma vidéo pour aujourd'hui, mercredi. Dès qu'ils ont fini leur goûter, on va aller se laver. Parce que bah, aujourd'hui, c'est... les cheveux. Aujourd'hui, il faut faire le shampoing. Donc, je fais un shampoing mercredi et dimanche. Voilà. Et comment vous dire que Jillian, ça va? Parce que bah, il a l'habitude, il a jamais pleuré. Kayden, dès que tu touches. Quand je dis, mais non, tout va toucher. Dès que tu mouilles ses cheveux, Kayden commence à pleurer. C'est-à-dire que tout le long où tu vas commencer à peigner, parce qu'en soi, ils ont pas les cheveux, eux, ils ont pas les cheveux crépus. C'est bouclé, mais c'est pas crépus. Il faut quand même passer le peigne pour enlever les boucles, enlever toutes les poussières qu'ils entassent avec l'extérieur. Faut bien peigner, je peigne toujours, enfin je mets toujours de l'eau, je mets le shampoing et après je commence à peigner comme ça en fait avec la mousse en fait, je peigne comme ça et après je lave. De Activi Longue, on utilise aussi le même shampoing, mais sur Amazon il est plus, il faut que j'aille voir en magasin. La longueur, regardez-moi la longueur de tes cheveux. Bon, j'ai fait la gamelle pour Kayden pour demain. Coucou, donc je vous disais, il est du coup 17h, c'était seulement 16h56. J'ai fini, j'essaie toujours de me caler par rapport à la semaine, donc je compte l'heure par rapport à la semaine, je me dis, bah il est 16h, 17h, faut que je les lave comme ça, ils sont prêts. C'est Kayden que vous entendez. Il y a mes beaux-parents qui arrivent. Ils arrivent souvent vers 18h parce qu'ils savent que les enfants mangent à partir de cette heure-là, 18h-19h, entre 18h et 19h. Ils arrivent du coup à cette heure-là parce qu'ils attendent d'abord que leur infirmière passe pour leur donner les médicaments. Et après, ils prennent la route, ils viennent. Ils sont à 30 minutes d'ici ou 40 minutes en transport. Et après, bah, j'ai rien à faire parce que mes beaux-parents, du coup, quand ils arrivent, je vous avais dit, ils ramènent toujours un repas pour les enfants. Après, c'est eux-mêmes qui leur donnent aussi à manger parce qu'ils veulent vraiment passer du temps avec eux. Ils arrivent souvent à 18h, du coup ils partent vers 20h avant que les enfants se couchent. C'est vraiment pour voir les enfants passer du temps avec eux. Parce que sinon la journée c'est compliqué. Et après, bah, eux ils avaient leurs médicaments à prendre. Et du coup ils aiment souvent le sort comme ça.